Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Comment fonctionne l'effet de levier? L'effet de levier dans le trading forex consiste à saisir du capital emprunté dans des transactions. L'argent est emprunté à un courtier qui agit comme une banque qui vous propose de l'argent à investir, qui dans ce cas est d'acheter des devises. Prenez les exemples ci-dessous. Un effet de levier de 1,2.30, l'option permet à un trader qui a investi 100 euros d'échanger avec 3000 euros. De plus, si la valeur du pip change de plus 0,0030, le trader fait un bénéfice de 9 euros. D'un autre côté, l'option B permet d'échanger avec 5000 euros et fait un profit de 150 euros. Conseil et avertissement lors de l'utilisation de levrage. Gardez vos pertes dans des limites gérables. Les traders professionnels conseillent de ne pas risquer tout leur argent sur une seule transaction. En outre, un trader devrait diversifier son risque en l'étalant sur environ 5% de son dépôt total par transaction. En cas de perte, elles ne seront pas seulement petites mais ne deviendront pas incontrôlables. Utilisez des stop-loss, ordres de protection et d'autres arrêts stratégiques. L'ordre stop-loss permet à votre courtier de savoir arrêter la position d'une devise lorsque le cours atteint un certain prix. Ces arrêts fonctionnent 24 heures sur 24 sur le marché des devises, donc, protégeant votre position lorsque vous êtes déconnecté du système. De plus, l'arrêt stratégique limite les pertes tout en protégeant les bénéfices. Commencez toujours lentement au début. Cela aide à développer l'expérience et la confiance des traders débutants dans leurs premiers jours de trading. Une fois que vous avez appris les tenants et aboutissants du trading forex, vous pouvez envisager d'augmenter l'effet de levier.